Samedi 9 juillet 2011. Aujourd'hui, je fais pas de la montagne, même si je monte. Je vais plutôt aller faire de la spéléo. Parce que je suis à un endroit qui s'appelle Arantz. La voiture est garée là-bas, où il y a juste derrière la grue, au fond, un tout petit parking. Et là, je vais faire du géocaching. Enfin, si j'y arrive, j'ai déjà dû voir comment c'est. Je vais aller dans une grotte, essayer de trouver la fameuse boîte. Alors là ça fait un petit quart d'heure que j'ai remonté à peu près. Et la grotte doit se trouver, je ne sais où, par là. Alors, je vais voir. J'y vais. Et peut-être que je reviendrai bredouille. Bon, voilà, je suis arrivé devant. Alors maintenant, apparemment, on peut passer soit à droite, soit à gauche. C'est bien dégueulasse. Mais je pense qu'au milieu, c'est un rocher, ça doit se rejoindre par derrière. Enfin, je vais voir, je vais prendre la lampe, je vais me changer, puis je vais déjà commencer à essayer d'avancer un petit peu comme ça, juste pour voir comment c'est. Voilà. Enfin, la montée était rude quand même, parce que le chemin est dégueulasse. Bon voilà, je suis allé récupérer la cache, c'est vraiment d'une facilité incroyable. Donc c'est sur le côté droit, je vais y retourner pour la mettre et puis je vais essayer de filmer en même temps et puis j'y retournerai pour photographier et ainsi de suite. Voilà. Mais c'est aucune difficulté, hein. C'est très 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 sympathique à faire. Bon voilà, j'y retourne pour remettre la cache en place. Hop. Alors voilà. Voilà comment ça se présente. J'ai même l'impression qu'au bout, on voit le jour. Elle va se trouver ici tout à l'heure. Je vais aller la mettre un peu plus loin. Je vais ressortir dégueulasse. Bon, hop, voilà. Je reviens ici. Et le fond de la grotte est juste là. Bon, on va faire demi-tour. Voilà, il y a. Allez, 10-12 mètres. Ça c'est dans l'eau, je sais pas si on voit beaucoup. C'est une grosse fissure derrière un rocher, en quelque sorte. Bon, allez, on retourne à la sortie. Thank you.
sortir le milieu là, ce qu'on aime. Hop.